c'est lui qu'on craint le plus. C'est lui que vous craignez le plus. Mais je suis sûr que vous allez être à la hauteur. Mais j'en suis persuadé. Vous avez travaillé dur? Oui. Hein? Ma chérie, vous êtes magnifique. Allez, au top. Vous allez être au top. Vous respirez un grand coup. Vous êtes des champions. Et ça va super bien se passer. D'accord? Tape. Allez, go. Oh, j'adore ça, j'adore ça. Wow. Excellent, quelle entrée. Salut les amis, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Louane. Mathéo. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 9 ans. Et je vais danser du boogie. Je m'appelle Mathéo, j'ai 10 ans et je vais danser du boogie. Super. On est frères et sœurs. Yeah! Mathéo et Louane ont commencé à danser l'année dernière. Et Louane a trouvé une passion pour le boogie. Et son frère a décidé de l'accompagner et d'être son partenaire. En fait, c'est parce qu'elle dansait tout seule. Et elle m'a fait tellement pitié que je suis allée la rejoindre et j'ai dansé avec elle. Mathéo et Louane, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire c'est le blanc et le noir. Louane est très extraverti et Mathéo très introverti. Ils se chamaillent souvent. C'est sûr que t'auras pas peur? Non, j'ai pas peur. Même pas une toute petite peur? Non. Si t'as peur? Non, moi j'ai pas peur. À des moments, elle peut être très pénible, mais quand on danse, c'est un autre monde. On aimerait faire connaître le boogie, c'est pour ça qu'on fait un collectif. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire avec les 100 000 euros que vous allez sans doute gagner? Bon, en fait, pour prendre des vacances et acheter une voiture. D'accord. Ok, cool, cool. T'as le temps, mon garçon, quand même. Hein. Les vacances, oui, mais la voiture, on attendra un peu. Tu as une idée de voiture ou pas? Non, mais une voiture à 8 places. Une voiture à 8 places parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs? Oui. Oui, combien? J'ai 2 sœurs et 3 frères. Ah, d'accord. Donc, c'est une famille de catholiques. D'accord. C'est un bus qu'il nous faut. Voilà. C'est un bus. Parce qu'ils ont honte de ma voiture. Pourquoi c'est quoi? 206. Mais comment vous faites pour caser les 6? Ils arrivent à rentrer à l'arrière. Les 6 à l'arrière? Les 6 à la honte. Ils sont plus grands ou ils sont plus petits que vous? Plus petits. Tous plus petits? C'est toi l'aîné, Mathéo. C'est toi le boss? Oui. Ok, cool. Vous êtes super. Vous avez beaucoup de charisme. Vous êtes magnifique sur scène tous les deux. J'ai trouvé votre entrée extra. Alors la scène est à vous. Vous avez 2 minutes pour nous faire rêver comme vous venez de le faire déjà. Oh, ils ont déjà le positionnement et tout. Dis donc la gueule, elle. La gueule qu'elle a. Ouais, ouais, elle est géniale, elle est géniale. Thank you.
trop bien. Waouh. Écoutez, vous sentez la joie que vous nous avez tous amenés. C'est quoi ? Vous regardez tous les deux, c'est comme regarder tous les films de Disney en même temps. C'est-à-dire, c'est une espèce d'injection de bonheur, merci, de joie. Ah là, ils ont cartonné, c'est impressionnant. Après, sur la danse, je ne suis pas le spécialiste, mais je vais laisser la parole au spécialiste de la danse de notre jury, Gilbert. Gilbert ? Alors, mais moi, je vais y aller simplement parce que... Vraiment, je pense que sans se consulter, les quatre, on vous prend en garde partagée. Je vous trouve extraordinaire. Vous êtes comme un cornet de crème glacée au chocolat sur quatre pattes. Il y a des gens qui ont 10 ans de métier, qui n'ont pas votre charisme, qui ont votre charme, votre présence scénique. C'est irrésistible. C'est magnifique. C'est, ils ont été au top. Ils sont magnifiques. Ils ont... La performance, elle a été... C'est beaucoup de travail, donc... Mais... Je suis très fière de ce qu'ils ont fait. Arrêtez de pleurer, vous allez me faire pleurer. Alors. Arrêtez. Bien dans l'émotion, mais bon, je ne peux pas pleurer, moi. Je suis fière de vous. C'est une petite pépite. Moi, je veux vous revoir absolument parce que vous êtes effectivement une bouffée de bonheur. Louane, oui, tu as une dextérité magnifique, mais tu as une bouille, une gueule, comme on dit chez nous. Je pense que tu pourras être une actrice, tu pourras être... beaucoup de choses dans ton avenir. Tu as un petit côté classique dans la coiffure et un petit côté rasé. Tu fais très rock'n'roll déjà pour ton âge. Et toi, tu as déjà tout compris à la séduction, mon gars. C'est bien. Continue comme ça. Je vais t'en donner des fleurs en plastique, moi aussi. Bon, eh ben, vous savez quand même que moi, la danse, c'est mes spécialités. Oui. Des petits comme vous, j'en rencontre pas souvent. Vous avez une énergie, vous avez une volonté. Et puis, tout est... habité, c'est-à-dire sur votre visage, ça se voit que vous prenez vraiment beaucoup de plaisir. Donc j'ai envie de continuer à vous voir prendre du plaisir et peut-être vous retrouver sur cette scène. Donc pour moi, c'est oui. Je pense que le vote va être simple. Pour moi, c'est oui. Je pense qu'on peut dire que ça va être un million de oui. Quatre oui, bravo. Ouais, bravo. À la maison. Maintenant, allez répéter. Allez à la maison.